Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo découverte de Fast RMX. Donc c'est parti. Je me suis dit, attendez, je joue extrêmement bien. Je suis le King of the World à ce jeu. Donc pourquoi pas continuer avec vous pour vous montrer ma skill ultime sur ce jeu. D'ailleurs, vous voyez, novice, ça montre ma supériorité. C'est magnifique. Non, c'est tout simplement pour découvrir avec vous. Voilà, je me dis, ça serait peut-être sympa de faire un peu une vidéo sur Fast, un très bon jeu de course qui reprend exactement les mécaniques de Wipeout, de F-Zero, F-Zero le King, mais Fast est vraiment aussi bon que F-Zero, je trouve, et je ne comprends pas les fans de F-Zero qui veulent absolument un F-Zero à la place de Fast, parce que Fast pour moi c'est F-Zero. Voilà, il n'y a rien à dire. Et Wipeout c'est le sous F-Zero, voilà. Sinon, vous le voyez, c'est F-Zero, voilà. Je vous montre juste ce véhicule, c'est F-Zero. Le Falcon. Le Falcon Capital. Évidemment, hein, grosse référence à F-Zero avec Captain Falcon. Oui, Capitaine Falcon. Falcon Capital. Une petite ressemblance. Hein. Puis en plus, en voyant aussi le design du vaisseau, c'est exactement les mêmes couleurs. Donc voilà. Ça veut tout dire, par contre c'est pas un vaisseau que j'apprécie énormément. Vous voyez qu'il a une très bonne vitesse maximale, mais c'est à peu près tout. Hein. Et puis je trouve qu'elle a une maniabilité assez moisie. Moi j'aime bien prendre, c'était lequel? J'aime bien celui-là. Il y a aussi l'un des premiers vaisseaux, le premier vaisseau qu'on débloque, j'aime bien le prendre aussi. Voilà, c'est parti. Alors le jeu il est un poil plus net que sur Wii U vu que là c'est du 1080p. Sauf que je capture en 720p comme d'habitude. Le jeu est très fluide. Comme sur Wii U. Et comme d'habitude, en fait, il faut changer de couleur le vaisseau. Par exemple, mettre en orange si on va sur une tracée orange pour avoir un accélo. Et si par exemple on n'utilise pas, voilà ce que ça fait. Carrément, il s'arrête limite. C'est pour ça qu'il faut absolument faire attention à cela. Et en même temps, ne pas trop se faire prendre de vitesse. Bien se concentrer sur le tracé parce qu'on peut rapidement exploser. Par contre, comment ça se passe là? On est en novice ou on est en ultra vénère? Bon, ça c'est un nouveau circuit, ça me dit rien sur la version Wii. Enfin, après ça fait un petit moment que j'ai pu jouer Fast sur Wii. C'est pas des circuits qui sont très... Enfin, on s'en souvient pas à vie, voilà. C'est pas comme Mario Kart, où il se différencie vraiment les circuits. Enfin, je vais pas non plus dire qu'ils sont pas originaux, mais...
On a plus du mal à, je sais pas pourquoi, j'ai plus du mal à me souvenir, enfin après c'est surtout les environnements voilà, qui se répètent un peu, voilà. Sinon au niveau de du tracé, c'est complètement différent entre chaque circuit, hein. Encore heureux. Il fait doubler par le deuxième, mais quelle honte. Bon, c'est le genre de jeu où on peut rager assez rapidement, parce que l'IA peut d'un coup à la fin doubler. C'est un petit peu rageant. Un peu comme le mode online de Mario Kart. Bon, sinon, l'OST en elle-même hein, de Fast n'a jamais trop attiré. C'est un peu comme Trackmania, quoi. C'est pas très mémorable. Après, il y en a qui aiment. Musique très électro. Oh purée. Mais d'où il vient? Et voilà le deuxième, d'où il vient? Cette arnaque. Bon, en même temps, j'ai perdu 3 secondes peut-être en vous montrant les couleurs. Mais quand même. Ah, et là nous sommes dans l'étoile noire de Star Wars. Alors, nous sommes toujours dans le jeu Fast Neo RMX. Je sais plus trop quoi. Pardon, j'ai cru que j'avais allumé ma GameCube pendant 2 secondes. Et allumé ma GameCube avec Rogue Squadron, je sais plus quoi dedans là. Star Wars Rogue Legacy, ouais, c'est ça je crois. Je crois que je me suis mis en deux. Alors ça passe. Mais voilà, sinon j'utilise pas mal aussi la technique de straffer sur les côtés comme ça. Ça marche assez bien. Il me dit quelque chose ce circuit. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait sur Wii U. Mais oui, ils remettent les circuits de la Wii U dans cette version améliorée, on va dire. C'est un peu comme Mario Kart 8 Deluxe. Sauf quand même, on a vraiment de nouveaux circuits, donc on va dire quand même c'est le troisième épisode. Enfin, c'est la suite directe de la version Wii U. Alors qu'évidemment, Mario Kart 8 Deluxe, c'est juste une version Deluxe de la Wii U. Après, vous voyez, techniquement, c'est plutôt pas mal. Là, si, évidemment, vu que le jeu est très rapide, ils ont été obligés de... d'aliaser un peu tout ça pour pas que ça rame. Donc, évidemment, il y a pas mal d'aliasing. Mais dans la version... dans sa version portable, quand on joue sur... directement sur la Switch elle-même, la tablette, mais il n'y a pas un pet d'aliasing. C'est évidemment si c'est du 720p et 720p sur un écran à 10 pouces, je pense que c'est bon. Enfin, une tablette 10 pouces. Et oui, 10 pouces, c'est vraiment pas beaucoup quand même. J'étais assez étonné de la taille de la tablette. C'est tout petit. Je vous dis, jouer à Mario Kart 8 en mode splitté sur un si petit écran, je sais pas, à 4 joueurs là-dessus, oui, ça peut se faire. Oh, purée, mais je me prends tous les rochers, toutes les météorites. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas tomber en fait. Bon, le circuit en lui-même est pas très difficile. Ouais, c'est surtout l'IA qui va très vite. Encore là, on n'a pas pris les circuits très durs. Cette coupe m'a pas l'air bien compliquée. Surtout l'IA, purée. Parce qu'avant, il y avait des circuits bien plus hard où on tombait assez facilement. On pouvait crever assez facilement. Et Dieu que sait, même si on perd pas beaucoup de temps en tombant, c'est pas comme un jeu classique
Genre, encore une fois, je vais dire encore une fois Mario Kart. 2 secondes d'écart dans Mario Kart, c'est pas non plus énorme. Dans ce jeu-là, c'est énorme. Dans Fast. Ah aussi, je trouve que c'est un très bon point de la Switch. On n'est pas obligé de créer un nid pour notre profil. Et du coup, à la place, j'ai une image de Donkey Kong. C'est la classe. Ça sera très vite là. C'est pour ça qu'il y a un gros blanc. J'ai pas envie de tomber. Vous voyez, ça s'enchaîne très rapidement les circuits et il n'y a presque pas de temps de chargement. Ça change de Crash Bandicoot sur PS4. Et bon, ça c'est une autre histoire. Car oui, j'ai fait Crash Bandicoot sur PS4, en tout cas le premier. Je l'avais fait à l'époque, il faisait quelques années de cela. Maintenant, je l'avais fait Crash Bandicoot 1, premier du nom sur émulateur. Mais qu'est-ce qu'il était dur. Et j'avais pas tout débloqué, hein, quand je débloquais toutes les caisses là, enfin, casser toutes les caisses à chaque niveau. Mon dieu, c'est un challenge de fou furieux. Bon voilà, on peut mourir très facilement. Vous l'avez bien vu. Ah, et aussi quand on crève, on récupère pas de la jauge du turbo, contrairement à la version Wii U. C'est à noter, ça c'est assez important. Parce que sur Wii U, quand on crève... Purée, mais l'autre qui me pousse là, il est chiant. Vas-y. Parmi le caïd là, il revient là, il vient te chercher, il va te défoncer là. Bon bref, il m'a interrompu, on était à Crash Bandicoot. Oui. J'avais fait sur émulateur Crash Bandicoot. Sinon, j'avais un peu essayé chez un pote le 2 et le 3 à l'époque, mais bon, les souvenirs ne me reviennent pas trop. Je me souviens plus trop de ces épisodes-là. Et donc du coup, je me suis dit, bah tant mieux hein, que cette version PS4 soit sortie. Comme ça, je peux me faire la trilogie. Et bah, j'ai déjà fini le premier Crash sur PS4. Enfin, le premier de la trilogie. Et bah, franchement, voilà. C'est franchement très bien réussi. Je me souvenais très bien du premier que j'avais fait sur émulateur il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment, je trouve que c'est du bon boulot cette version, ce remaster. Le problème, c'est qu'il y a des temps de chargement infinis, c'est pas possible. Voilà, et donc le son là, peut-être qu'il empiète un peu sur le micro parce qu'il est un peu fort. Et pourtant, je suis qu'à 3. Je suis qu'à 3 sur 100. Mais voilà, ce Fast est extrêmement fort. Enfin, sur Wii U, il était assez fort, mais là, je me souvenais pas qu'il était aussi fort que ça sur Wii U. Le son. D'accord. Quand on passe de Zelda à ce jeu-là, purée, faut s'y préparer à l'avance. Hein. Zelda, à chaque fois, je mets à 20, 25 sur 100. C'est peut-être pas assez. Et là, par contre, pour Fast, je mets à 5. C'est bon. Ah bah, on a débloqué Super Sonic. Bah, c'est parfait. Ah, donc ça, c'est les premiers... Bon, je me dis... On va faire une petite première coupe, hein, tranquille. Voilà, je vais prendre quel véhicule là. C'est bizarre, il n'y a pas tous les véhicules là, il n'y a pas les premiers. Ah si, celui-là. Il n'y a pas celui que je prenais souvent, you. Ah si, c'est celui-là, je pense. Je le prenais aussi sur Wii U, il était vraiment pas mal parce qu'il est très bien pour les débutants. Ah non, c'est pas lui. Mince, il ressemble. Oh, tant pis.
Mais voilà, là on va voir exactement. Oh purée. Purée, mais il tourne pas. Il tourne pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Ah, et quand on crève, on récupère quand même. Ah non, oui, non, c'est vrai. Faut que je vous explique. Quand on crève, on ne perd pas la jauge de turbo qu'on avait durement gagnée auparavant. Durement remplie. Oh purée. Il est pourri ce vaisseau. J'ai pris un truc catastrophique. Purée, il ne tourne pas. La maniabilité change. Hein. J'ai super mal joué et pourtant je suis quatrième. Donc bon, intermédiaire, on va dire que c'est pas non plus si dur que ça. Il faut quand même mieux jouer que ça et prendre peut-être un autre vaisseau. Un autre bolide. Ah, et aussi quand on tombe, petite technique, quand on tombe, il faut faire quand même un petit turbo. Parce que sinon on perd du temps. Car le vaisseau il est un peu stun. Ah, et aussi il y a un mode, il y a un nouveau mode dans ce Fast par rapport à celui d'avant. C'est le mode. Un mode très F-Zero style. C'est le mode shield, je crois que ça s'appelle. On va dire ça comme ça, shield bouclier. C'est en gros, on a un bouclier, donc on a une jauge de vie. Donc si on se cogne sur le côté comme là, je fais que de me faire cogner. Donc là forcément je perds un peu de vie. Et en même temps, je perds aussi de l'endurance. Non, la jauge du turbo, parce qu'en fait la jauge du turbo a fusionné avec la jauge de vie. C'est exactement comme F-Zero. F-Zero GX sur GameCube. C'est franchement la même chose, quoi. Donc voilà, encore une fois, mais c'est F-Zero ce jeu. C'est F-Zero HD. En tout cas, j'attends impatiemment le Metroid Prime 4. Car il n'y a pas eu un Metroid Neo sur Wii U. Ah, il faut franchement que je me fasse par honte. Parce que le seul Metroid Prime que j'ai fini, c'est le 1. Le 2, j'avais abandonné parce que je l'ai trouvé trop chiant. Enfin, j'étais un peu bloqué aussi. Bon, c'était il y a longtemps, donc bon, peut-être qu'en le refaisant là, je verrai d'un autre œil ce jeu. Mais voilà, c'était un peu la déception, je trouve, le 2 à l'époque. Et j'avais commencé quand j'avais pas mal avancé dans le 1, mais je l'avais pas fini à l'époque. J'avais fini beaucoup plus tard le 1. Mais le 1, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Il y a vraiment une ambiance unique et tout. Il n'y a rien à dire, mais Metroid Prime 2, il est excellent aussi, il y a vraiment de bonnes idées. Je m'en souviens, c'est l'histoire de voyager entre différentes versions du monde, entre le monde en lumière, enfin le monde de lumière, le monde classique et le monde des ténèbres. C'est une bonne trouvaille. Sachant que ça change beaucoup au niveau du gameplay aussi. Car la pesanteur est différente. Et Samus ne peut pas respirer dans l'autre monde. Il faut souvent revenir dans des sortes de bulles d'oxygène. Ça, franchement, je trouve que c'était une bonne trouvaille. Bah, voilà, je m'en souviens très bien. Alors que ça fait super longtemps que je n'ai plus joué. Ça fait des années. J'ai plus joué à Metroid Prime 2. Ça fait. Ça doit bien faire 6 ans, un truc comme ça, la dernière fois que j'y avais joué. Et ça m'avait marqué, ça. Et sinon, Metroid Prime 3 Corruption. Là, lui, je pense que je suis pas loin de la fin, mais voilà, il faut que je me fasse le 2 et le 3.
Donc bon, pour patienter, ça va. Le 4 peut sortir en 2019, si on veut. Oula, je pense que la plupart des fans de Metroid, là, ils mettront un dislike direct à ma vidéo, là. Attention. Mais bref, en tout cas, c'était vraiment une bonne surprise. Je ne m'attendais pas du tout, Metroid Prime 4. Enfin, la plupart des fans le demandaient, dont moi aussi. Bon, je dirais pas que je suis un fan parce que j'ai pas fini le 2 et le 3, hein, évidemment. J'avais fini Metroid Over M. J'ai trouvé excellent aussi. Mais bon, pas mal de fans lui crachent à la gueule. Bon, c'est un peu au niveau de l'histoire. Ils n'ont pas trop bien aimé l'histoire. Bon, moi perso, ça m'avait pas gêné tant que ça. C'est juste que Samus était moins badass que dans Prime 1, 2 et 3. C'était moins la femme forte, c'était plus la femme réaliste, hein, on va dire. Parce que bon, une femme comme Lara Croft, c'est un peu... c'est pas très réaliste. C'est un peu le Sangoku dans le monde réel. Mais bon, les fans, ils préfèrent la Samus dans le temps. Fichtre. Je me souviens que ce circuit était pas facile. Surtout avec ces faisceaux violets là. C'est assez chaud. Bref, ce vaisseau, mais il est catastrophique. C'est catastrophique. Et attends, on est au troisième tour? Oh non, catastrophe. Ouais, quatrième. C'est magnifique. Je sais pas si je serai sur le podium. En espérant que le premier s'est viandé. J'ai l'impression qu'il s'est complètement viandé le premier, donc c'est nickel. En fait, je suis premier, voilà. J'ai fait n'importe Nawak à la fin, mais je suis quand même premier. Donc de ce niveau-là, c'est pas toujours les mêmes qui sont premiers dans Fast, contrairement à Mario Kart. Bon, je compare beaucoup à Mario Kart, mais c'est un peu mes seules références en jeu de course. Need for Speed, le dernier Need for Speed auquel j'y avais joué, c'était celui sur GameCube en 2002, purée. Sorti en 2002. Sinon, bah évidemment Trackmania, mais bon, Trackmania, c'est pas un jeu de course comme les autres, on va dire. Mais y a pas un système de premier, deuxième, etc. Qu'est-ce qu'on va prendre? En tout cas, les artworks sont magnifiques. Ça donne envie de parcourir les circuits, ça c'est quand même un bon point. On va faire Platinum. D'ailleurs, c'est assez bizarre, ils ont enlevé un effet qui était stylé, je trouve, sur Wii U. Ils ont enlevé cet effet-là, là, l'effet d'éclairage à moitié, là. La caméra qui se fait éblouir par le soleil. Ils ont enlevé cet effet-là sur Switch, je sais pas pourquoi. Mais bon, globalement, la version Switch, quand même, est plus belle. Encore heureux, hein, j'ai envie de dire. Tiens, bon, on va essayer ça, hein, le vaisseau de Waluigi. Ouais, mais ça me fait bizarre, des temps de chargement hyper rapides. Ça change de la version Wii U. Ah, quoique, on a eu cet effet-là, mais... C'est plus discret que sur Wii U. Sur Wii U, c'est un peu plus exagéré. On voit beaucoup plus l'effet. Quand on se fait éblouir par le soleil. Cet effet d'éclairage assez stylé. J'ai l'impression que c'est un circuit de la Wii U, ça aussi. Ça me dit quelque chose. Dans le désert, comme ça. Bon, après, il y a plusieurs circuits dans cet environnement-là. Mais... Le tracé me dit quelque chose. J'envisagerai peut-être un jour, si j'ai envie, ouais, de faire un petit vidéo test sur Fast Neo sur Wii. C'est vraiment un très bon contenu par rapport à son prix.
comme ce Fast RMX aussi, c'est encore mieux même celui-là. Il est à peine plus cher et il y a carrément une bonne quarantaine de circuits, et carrément c'est le double voire le triple de circuits par rapport à la version Wii U. C'est quand même pas mal. Après j'avais pas acheté les DLC sur Wii U, il y avait quand même plus de circuits que ce qui m'y paraît. Mais il fallait acheter les DLC. Là évidemment on a je sais pas combien de circuits, il n'y a pas de DLC à acheter. Peut-être plus tard. Ils feront peut-être des DLC plus tard. Hein. Qui sait. Après moi je suis souvent contre les DLC, mais quand c'est des DLC qui sortent bien après le jeu, c'est juste pour faire durer. Faire durer la durée de vie du jeu. Ça je suis pas contre. C'est un rajout plutôt convaincant. Contrairement aux rajouts par exemple qu'ils font pour Far Cry 4 par exemple, Ubisoft. Enfin, Ubisoft ils aiment bien mettre des DLC partout. Hein. Et ou Nintendo avec les Fire Emblem aussi. Ça par contre c'est du foutage de gueule. Les DLC qui sortent en seconde classe. Ouais, le premier j'ai pas vu une seule seconde. Il nous a complètement fumé. On est en novice, on le rappelle. Novice est plus dur qu'intermédiaire. C'est assez spécial. Par contre, ça se voit vraiment que le jeu est moins net là. Quand je capture. C'est évidemment quand je capture pas, je suis en 1080p. Et ça se ressent vraiment, hein, le 1080p. Là en fait, vous avez la qualité de la version Wii U, hein, grosso modo. Bon, il y a quelques effets spéciaux en plus, mais... Le rendu, je trouve, la vitesse, je trouve que c'est un peu mieux rendu sur Switch. Mais c'était déjà très bien sur Wii U. Après, je comprends pas les gens qui disent que le jeu est quand même... assez pauvre techniquement, parce que bon, c'est vrai que c'est pas non plus une claque graphique, mais pour un jeu qui est rapide et nerveux et puis qui reste magnifique quand même, qui reste très beau malgré cette vitesse fulgurante sans ramage, ben, je trouve que le jeu, oui, globalement il est quand même très joli. Je ne comprends pas les commentaires que j'ai vu par-ci par-là. Sur YouTube ou sur jeuxvideo.com, même si c'est pas une référence jeuxvideo.com. La communauté jeuxvideo.com, c'est un peu la communauté. Voilà quoi. Du pauvre. Final left, tour final, attention. Bon, le premier, hein, je le vois pas, il a disparu de la circulation. Concentre. J'utilise énormément, mais en même temps, dans F0, c'était pareil, j'utilisais beaucoup le bouton R et L, je fais n'importe quoi. J'utilisais beaucoup le bouton R et L pour faire n'importe quoi. Une très bonne technique hein, pour tromper l'adversaire, parce qu'après on les double au dernier moment comme un petit fumier, comme un Jean Kevin du jeuxvideo.com. Purée, mais non, bah comme lui quoi. C'est pas possible, je suis troisième normalement. Purée. J'ai cru que c'était le deuxième qui m'avait doublé. Ah bah le deuxième il s'est enfui. Par contre, grosse arnaque. Alors là, gros point rouge sur Fast. Enfin, gros carton rouge plutôt. Gros point rouge, attention. Le gros feu rouge. Hein. Alors pourquoi c'est gros point faible, je trouve, du jeu. C'est que quand l'IA tombe. Alors nous, quand on tombe,
ils nous remettent à peu près à l'endroit où on est tombé. Donc des fois ils nous remettent un peu derrière, mais bon, hein, c'est le but. Mais quand c'est l'IA, ils le mettent à chaque fois bien devant et finalement l'IA en fait ne perd pas de temps. J'ai remarqué ça souvent. Par exemple, le second là, qui était tombé tout à l'heure, il était un poil devant moi, il est tombé, et il s'est retépé un poil devant moi. Il a récupéré tout de suite sa vitesse, donc bon. Arnaque sur 20. Donc oui, l'IA est cheatée. Bon, c'est peut-être un bon point pour certains. Ça fait rager. Mais bon, tant pis. On a l'habitude hein, d'une IA cheatée hein, dans les jeux de course. Peut-être moins dans les jeux de simulation, comme Need for Speed. Enfin, c'était même le contraire, je me souviens dans Need for Speed, c'est... on les fumait à chaque fois. L'IA était inexistante. En tout cas sur GameCube. Après je ne connais pas du tout aussi, il y a quoi là, sur Sony, ils ont quoi déjà comme jeu de course eux? Gran Turismo, ouais c'est ça. Enfin, pour moi Gran Turismo c'est Need for Speed. Hein. Need for Speed, besoin de vitesse. Oui, le jeu ne va pas assez vite. Sur Fast, c'est bon, on n'a pas besoin de vitesse. Hein. Pas besoin de booster plus. Ouais, je dis ça quand j'ai rien à dire. Oh purée. Je me suis viandé à la fin, magnifique. Faut quand même assez anticiper. Faut quand même un peu connaître les circuits, évidemment, là je ne connais pas du tout celui-là. Ça me semble être un nouveau aussi. Il ne dit rien du tout. Peut-être que Yuyu reconnaîtrait ce circuit, vu qu'il a pas mal joué à Fast. Enfin, je pense qu'il a quand même pas mal torché ce jeu. Ah purée, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, il est venu d'où? Il était complètement sur ma droite, et j'ai pas compris comment il m'a touché. Je ne comprends pas le boulon. Mais je ressors les vieilles expressions de Looper. Le petit boulon. Rémi m'a tout pris. Ils en ont pas besoin, ils peuvent se faire ça à l'infini, eux. C'est cheaté, l'IA. C'est cheaté. Moi, je vous le dis. C'est comme les maths au BTS. C'est cheaté. C'est cheaté. On comprend rien. Ah, je me débrouille plutôt bien. Cette vidéo aussi, c'est un peu pour en profiter de parler un peu à d'autres jeux comme Crash Bandicoot. Hein. Parce que bon, sinon, il y a des gros blancs. Hein. Du futur Metroid Prime 4, mais comment ça? Metroid Prime 4? Enfin, j'ai envie de faire une dernière course. Si on est à 33 minutes, oui. Allez, dernier championnat novice, on va faire... celui-là. Et pour le fun, Captain Falcon. Un Blue Falcon. Très joli, hein. En tout cas, les vaisseaux sont vraiment... sympathiques à l'œil. Magnifique, ce que je dis. Visuellement, c'est quand même beau. En tout cas, ça n'a rien à envier à Wipeout, le dernier Wipeout, ou même, il y avait une sorte de F-Zero sur PC, comment ça s'appelait déjà, je ne sais plus son nom,
Si, c'est la Redoute, voilà. Redoute. C'est la Redoute. La Redoute. C'est quoi ce nom? En tout cas, c'est un jeu qui m'intéresse, j'hésite à l'acheter. Bon, franchement, j'aime bien moi, ce genre de jeu bien archaïque, qui se veut pas du tout réaliste, hein, qui se veut absolument fun et technique à la fois. Selon moi, quand c'est simulation, je suis pas trop fan. Surtout de FIFA. FIFA, c'est surtout des joueurs qui répondent aux ordres de la manette 5 secondes après. 5 secondes, c'est beaucoup. 5 secondes d'input lag avec FIFA ou PES. C'est surtout pour ça que j'aime pas ces jeux. Je n'y ferai jamais à ça. Ils ont toujours pas évolué ça, quoi. Parce qu'il y a un pote qui a un FIFA sur PS4, c'est la même chose que sur GameCube, purée. Pas possible. Attention, je suis pas foot. À part un petit Mario Foot de temps en temps. Mario Smash Football. Bref, je suis complètement différent de Parmi Locals. Tout simplement. Oh purée, troisième. Ah bon, je vous parle et je fais nimp. Subsonic League. Voilà, c'est encore un environnement désertique, ça me dit quelque chose. Mais bon, le problème c'est que bon, on va voir avec le tracé. C'est bon, le problème c'est qu'on retrouve quand même assez souvent les mêmes environnements. Et c'est à cause de ça surtout qu'on ne reconnaît pas forcément bien les circuits. Ça c'est un peu dommage. Mais il me dit quelque chose en fait celui-là. J'ai l'impression qu'ils les ont complètement mis en vrac les circuits de la Wii U. Dans cette version. Parce qu'elles y sont de droite à gauche, hein. C'est pas genre les premières coupes, il y a que les circuits de la Wii U et puis après le reste c'est Switch. Non, c'est l'impression qu'ils les ont mis un peu n'importe où. C'est un peu la surprise quoi. Je me demande si le Blue Falcon, enfin le truc Falcon là, le Capitaine Falcon, le Capitaine, est disponible sur Wii U, je pense pas. Ou alors dans un DLC sans doute. Ah aussi, je vous ai pas parlé du prochain de Dragon Ball Z. En tout cas, pour Dragon Ball Z Xenoverse 2, il m'attire pas du tout. Par rapport au 1, parce qu'il ressemble trop au 1. Et... voilà, déjà, je vous en ai parlé, je vous avais fait un vidéo test du premier Xenoverse. Voilà, c'est un bon jeu, mais... enfin, un bon petit jeu, voilà. C'est pas Tenkaichi ou c'est culte. On passe un bon petit moment, mais voilà, après on n'y joue pas des années. Alors que Tenkaichi, on a toujours envie de se refaire une petite partie entre potes. C'est vraiment un très bon jeu du Tenkaichi. N'importe lequel, hein, le premier, le deuxième, le troisième. Budokai tout court aussi, 1, 2, 3. Les indétrônables, évidemment. Sauf qu'ils vont peut-être être détrônés par le futur Dragon Ball Z. Fait par des développeurs qui font beaucoup de jeux de baston en 2D, je ne sais plus leur nom. En tout cas, j'ai essayé l'un de leurs jeux en 2D, c'est souvent des noms assez incompréhensibles, mais j'avais essayé ça, une Japan. Piche. Ouais, Japan Nantes.
la Japan Nantes, hein, ils ont souvent quand même des consoles par-ci par-là et on peut faire pas mal de jeux de combat assez originaux. Et là, c'était un jeu de combat animé, et je crois que c'est les mêmes développeurs, oui, c'était ça. Ça avait un style très très animé japonais. On avait vraiment l'impression de jouer à un animé japonais, c'était assez impressionnant. Et là, pour Dragon Ball Z, c'est encore plus impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est carrément une modélisation 3D des personnages. Et on a. La modélisation est tellement parfaite que par rapport à l'animé qu'on a vraiment l'impression que c'est. Qu'on a devant nous l'animé. Et c'est limite, on a l'impression que les personnages sont en 2D, mais non, ils sont en 3D. Mais c'est super bien fait, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment impressionnant. Et ça m'a l'air d'être un jeu de combat aussi aussi avancé que Tenkaichi, voire plus. Parce que de toute façon, Namco, ils savent plus développer des jeux. Voilà, je le dis clairement. Donc maintenant, ils laissent place à cette nouvelle team. Qui, je pense, vont faire un carnage, parce que déjà ils ont une très grande maîtrise dans les jeux de combat 2D. Et quand on voit ce que donne dans le trailer ce Dragon Ball Z, il a l'air complètement énorme, voilà. Il n'y a absolument rien à dire. Aucun défaut. Et ce système de combat. Ils ont expliqué eux-mêmes que c'est un système assez à la fois technique mais pas trop compliqué pour les débutants. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Ok, les deux à la fin qui me doublent, normal. Tout est normal. Tout est normal dans l'IA. Mais voilà, vous voyez que Blue Falcon, il est un peu moisi, hein, comme véhicule. Je vous cache pas. C'était d'ailleurs ma grosse déception. Parce que quand même, le Blue Falcon, c'est la classe. C'est quand même un véhicule de fou furieux. Mais là, on se rend compte que c'est pas vraiment le Blue Falcon, parce que il avance à 2 à l'heure, il tourne mal. Le seul truc qui est bien, c'est qu'il garde son accélération, il garde sa jauge de turbo assez longtemps, mais c'est tout. Bon, si c'est juste pour ça, c'est un peu moisi. Ah, aussi, sur Wii U, il y avait 4 circuits par coupe. Là, ils ont rétréci le truc, ils ont mis 3 circuits par coupe, donc il y a plus de coupes. Par conséquent, oui, il y a plus de coupes. Logique. Et je trouve que c'est pas mal. Parce que du coup, si on se plante, si on se viande, qu'on est obligé de tout se retaper, 4 courses, c'était un peu pénible sur Wii U. Là, il y en a 3. On va dire que c'est un peu moins rageant si on perd comme là, si je suis pas premier, voilà. Ça prend pas trop de temps de le refaire. On refait une coupe, ça dure que, vous avez vu, 7 minutes hein, en moyenne. C'est quand même très rapide. Comme le jeu d'ailleurs. Donc voilà. Je vous ai dit à peu près tout sur Dragon Ball Z, sinon. Le jeu sortira début 2018. C'est assez étonnant, il sortira vraiment tôt. Et ça, c'est beau! Comme Crash Bandicoot, hein, il est sorti quand même assez rapidement. Enfin, ils avaient quand même repoussé la date, c'était un peu relou. De quelques jours hein, au mois de juin, c'était début juin au début, après c'est passé fin juin. Mais bon. Quand même, par rapport au trailer qu'ils avaient montré, c'était que 6 mois avant, ou même pas. Même pas 6 mois avant, 4 mois avant. Ils avaient montré ce qu'ils avaient fait. Ils avaient quand même déjà pas mal avancé sur le jeu. La production du jeu, mais quand même, c'était le jeu est sorti assez rapidement et ça c'est bien. Un peu comme le futur Mario et les lapins crétins qui sortira fin août et ça c'est bien. Tout est bien en 2017 niveau vidéoludique. On a eu le Zelda, on a eu vraiment beaucoup de choses et 2018 ça. Ça sent les bons jeux aussi. Bon, le futur
The Last of Us, hein, qui arrivera, The Last of Us 2, qui arrivera, déjà, ça c'est quand même un gros jeu aussi, même si moi, ça me hype pas tellement. Mais voilà, faut le reconnaître, quand même, 2017-2018, ça a été des grosses années, hein, des grosses années vidéoludiques. Contrairement à 2015. Ou 2016, c'était un peu plus calme, ouais. Surtout chez Nintendo. Ce Nintendo, à part le Star Fox en 2016, il n'y a pas eu grand chose. C'était un peu la morte de. C'était un peu la Wii U qui mourait à petit feu. Hein. Enfin bref, sur ce, je vous dis à la revoir pour de nouvelles aventures. Et franchement, si vous avez une Switch, ou si vous avez une Wii U, et que vous aimez les jeux de course, achetez Fast !